Moi j'ai pas besoin, pareil que toi, j'ai que 4 places moi. Bon allez, chute, on commence. Go. Salut tout le monde. Je vous retrouve pour un nouveau glitch de duplication créé par Tuto Facile France. Voilà. Donc, premier temps, il vous faudra aller dans le mode éditeur, changer votre mode de visée de la manette. Donc tous les deux, vous et votre pote, vous changez le mode de visée. Donc c'est éditeur. Et vous allez dans paramètres ensuite. Et vous revenez dans le jeu. Donc ensuite, vous allez dans votre QG de motard. Vous allez jouer aux fléchettes. Une fois que vous aurez joué aux fléchettes, ça va vous mettre dans vos activités récentes que vous avez joué aux fléchettes. Votre pote, il va rejoindre cette activité récente de fléchettes. Ce qui va le faire bugger dans le jeu de fléchettes. Une fois que votre pote est bugué dans le jeu de fléchettes, comme là, Rest in Peace, il m'aide à le faire. Il est buggé dans le jeu de fléchettes. Vous allez faire Start en ligne. Activité. Non, je dis des bêtises. Rejoindre des amis. Hop. Donc, comme vous avez le même mode visé, vous serez dans le même, dans la même session que lui. Donc là, on le rejoint. Il faudra aussi que vous faisiez ce glitch dans le premier garage 10 places tout en haut de la liste. Donc il faudra que votre premier garage soit un 10 places et qu'il soit tout en haut de la liste. Pour vérifier ça, je vais vous montrer tout de suite comment on fait. Donc on fait semblant d'acheter un véhicule et vous verrez, il va vous montrer une liste de garage. Et dans cette liste de garage, vous prendrez le premier, la première adresse tout en haut. Et ça sera ici que vous ferez le glitch, dans ce garage-là. Ensuite, vous allez acheter des Eligi gratuites. Enfin, acheter. Vous allez prendre des Eligi. Vous allez en customiser une à fond. Ne la faites pas en lowrider, ça ne marchera pas. Donc, vous la customisez à fond. Une seule. Et le reste en Eligi normal. Donc, j'ai déjà préparé d'avance. Donc, comme vous pouvez voir, je suis dans la session de mon ami. Rest in peace. Là, j'ai mon Eligi custom à fond et les Eligi normales que je vais dupliquer maintenant. Donc maintenant que je suis dans sa session, que Rest in peace est avec moi, je fais start en ligne, activité, jouer activité, favorite, course, appart test 456. Je lance. Une fois que je l'ai lancé, mon ami va devoir me rejoindre. Une fois qu'il sera bugué comme ça dans mon garage, il appuiera sur Start direct. Donc là, Rest in Peace, tu peux me rejoindre. Et une fois que tu es dans le garage, que tu te vois dans mon garage, tu appuies sur Start. Voilà, mon ami a appuyé sur Start, il est resté bugué. Maintenant, je quitte l'activité et je le rejoins dans mon garage. Donc là, hop, je prends une voiture qui traîne. Arrêtez de crier. Hop là. Ah! Il rigole en plus. Donc là, comme vous pouvez voir, je vais vous montrer ça de suite. Mon ami, il est bugué dans mon garage. Vous voyez là, il est là. Ça, c'est mon garage. Je vais le rejoindre tout de suite. Donc, ça a marché. Si vous changez bien votre mode de visée ensemble, vous mettez la même, vous vous rejoindrez quasiment à chaque. Donc Tuto Facile France a prévenu qu'il allait sortir un nouveau glitch de duplication lowrider qui va rapporter gros.
Donc préparez-vous, ça sera dans un QG. Dans un QG PDG, il faudra un garage et il faudra aussi un custom à l'intérieur. Donc si vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas les niveaux, faites ce glitch à fond. Préparez, gardez votre argent, achetez-vous un QG de PDG. Celui d'ici, Mess Bank, il est au top, il coûte que 1 million. Vous achetez un garage même place qu'il y a dans le motard et le custom. Donc voilà, là j'y suis. Mon ami, il est bugué. Votre ami aura plus rien à faire là. Pour le moment, il va rester bugué avec sa console pour vous. Donc je vous remercie Rest in Peace de m'avoir fait faire cette vidéo. Sans lui, j'aurais pas pu. Donc comme vous pouvez voir là, il est bugué dans mon garage. Voilà. Donc là, le glitch, il est bon. Maintenant, l'étape importante, vous allez monter dans l'Eligi Custom Full. Vous allez attendre qu'elle démarre. Voilà. Là, la Eligi, elle est démarrée. Je vais faire en ligne, trouver une nouvelle session. Donc moi j'ai mis apparition dans ce garage-là directement. Vous pouvez mettre apparition à la dernière position. Donc là, moi je vais atterrir dans mon garage. Il va falloir intermuter les voitures. Donc ces voitures, vous allez les vendre à peu près 200 000. C'est déjà pas mal. Si vous en faites 20 ou 40. Donc une fois que votre pote il est bugué, vous pouvez enlever les voitures que vous avez déjà faites, les mettre dans un autre garage et racheter des nouvelles. Donc là, vous êtes illimité dans le temps. Donc vous avez moyen de remplir tous vos garages en une seule fois. Donc si vous le faites un coup chacun, ça vaut le coup. Vous pouvez avoir 60 places, 60 véhicules custom rapidement. Donc là, j'ai rejoint mon garage. Voilà. Je vais aller dans la borne des voitures. Je vais changer l'Eligi custom par la non custom. Donc on va se mettre sur la jaune. Vous verrez bien, hop, voilà. Une fois que j'ai fait ça, je fais start en ligne, rejoindre des amis. Logiquement, je vais rejoindre mon ami Rest in Peace qui sera bugué dans mon garage. Et la voiture custom que je viens de changer de place n'aura pas changé de place. Elle sera dupliquée mais invisible. Donc on va falloir la rendre visible. En la changeant de place. Si vous avez besoin de monde, vous avez qu'à m'inviter Fouedji 134. Donc vous voyez là, mon pote, il est là. Il est bugué encore.
Donc je suis bien rejoint son activité. Cette illégie là, je vais la modifier. Vous voyez, elle est dupliquée. D'accord? On est bien d'accord. Et pour valider la duplication qu'on vient de faire, on va sortir du garage et re-rentrer dans le garage. Là, ça va valider, enregistrer, on va dire même, ça va enregistrer votre duplication. Ok. Donc là, c'est ok. Je re-rentre dans mon garage. Je vais vous remontrer encore une fois comment faire. On rentre dans le véhicule. On attend qu'il démarre. Trouver une nouvelle session. Donc n'hésitez pas à la rendre au max customisée, cette illégie, qu'elle vous rapporte le maximum. Donc environ 210 000 à chaque duplication. Vente illimitée, pas de limite de temps. Donc allez-y, vendez le maximum, faites-vous de l'argent, achetez-vous des garages. Donc après, vous pouvez partir avec ce véhicule, le mettre dans un autre garage et remplacer avec une Elegy non custom. Donc j'ai quitté la session. Là, je pars dans le rond bleu. Une fois que je suis dans le rond bleu, je vais sur ma custom, je la mets à côté de moi. Hop là. Maintenant, je fais start en ligne. Rejoindre des amis. Donc pensez bien au début, changez votre mode de visée, trouvez votre garage en haut de la liste, jouez aux fléchettes, quittez, faites rejoindre votre ami le jeu de fléchettes. Une fois que vous avez rejoint sa session pendant qu'il est buggé, vous lui dites d'appuyer sur Start dès qu'il se voit dans votre garage, avant de démarrer l'activité bien sûr. Dès qu'il arrive dans l'activité, lui faites faire ça. Une fois qu'il a fait ça, vous lancez l'activité, il vous rejoint. Non, pardon, ça c'est déjà fait. Vous quittez l'activité. Et comme là, vous pouvez voir, j'ai encore une voiture custom. Donc là, ça m'en fait deux. Et toujours pour valider, pour enregistrer votre duplication, vous sortez du garage. Et vous re-rentrez pour recommencer, pour continuer. Bon, j'espère que vous allez devenir riche. Vous allez l'écrire dans les commentaires. Vous allez mettre un petit pouce, un petit partage. Merci, gros merci à Rest in Peace, mon poteau de toujours, mon poteau de guerre, de m'avoir aidé pour faire cette vidéo et vous la présenter sur cette chaîne. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour le gros glitch de duplication de Lowrider qui va rapporter beaucoup, je pense. Voilà, à bientôt tout le monde, bon glitch!